lisez de toute urgence le livre de Philippe Millau et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Et notre invité, le directeur de la rédaction du magazine Éléments, Pascal Esric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour venir nous présenter le premier hors-série de Éléments, de la revue Éléments. Une nouveauté, un format différent consacré aux sagesses païennes, la renaissance des dieux face à la crise des valeurs. Tout un programme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi lancer un hors-série au moment où chacun reconnaît que la presse écrite souffre énormément et comment est constitué ou réalisé ce nouveau hors-série ? Il y a une envie, il y a une demande. En tout cas, l'essai est plutôt transformé, même assez transformé, parce que ce hors-série a trouvé son public, voire le grand public. Ce qui, a priori, va nous conduire à poursuivre l'aventure dans un deuxième hors-série, troisième. Je pense que pourquoi se lancer dans des hors-séries d'éléments ? Tout simplement parce que dans une thématique donnée, on peut avoir l'ensemble, l'intégralité des positions, des articles, presque un corpus finalement sur une question. Et donc là, c'est sur le paganisme, sujet... qui a été un sujet qui a enflammé les polémiques, les imaginations, en tout cas dans les années, quand il a été lancé, dans les années 80. Aujourd'hui, ça me semble un peu plus apaisé. Nous-mêmes sommes devenus plus apaisés sur la question. Et donc, c'est, me semble-t-il, un très bon sujet. On peut voir comme ça, sur 50 ans, l'évolution sur cette question-là, sur le paganisme, l'évolution de la rédaction d'Éléments. À 50 ans, parce que Éléments a 50 ans. Tout à fait. 1973, septembre 1973. Alors passons à ce sagesse païenne au fond du dossier. Vous avez dit, depuis 50 ans, Éléments a recours à notre mémoire païenne pour en faire un idéal de résistance aux ravages de la modernité. Et Alain de Benoît a théorisé, bien évidemment, en premier sur cette démarche avec la parution en 1980. On va la retrouver dans ce hors-série du fameux « Comment peut-on être païen ?» Et bien évidemment, on va retrouver dans ce hors-série des éléments de cet ouvrage que vous considérez comme essentiel. Et ma question, elle est plus simple aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'être païen en 2022 ? Eh bien, le hors-série, et ça, c'est le hors-série le montre. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il y a une vingtaine de contributeurs qui... j'ai choisi, dans la grande histoire d'Éléments, 50 ans, j'ai choisi une vingtaine de contributeurs. Et qu'est-ce qu'être païen ? Eh bien, chacun des contributeurs a une réponse différente. Vous l'avez dit, Alain de Benoît, elle est plutôt intellectuelle, elle est plutôt dans le champ de la doctrine. En revanche, ça n'a pas été le premier à en parler dans Éléments. Comme d'habitude, les premiers à en parler sont plutôt les poètes ou ceux qui ont une âme un peu plus, oui, une âme poète, un artiste. Janco en a parlé en premier, il a fait paraître Le Grand Soleil, un roman païen. Michel Marmin, Dominique Pradel, des gens comme Jean Mabir ont abordé cette question-là, chacun avec une vision différente. Alain de Benoît, la nouveauté finalement, c'est qu'il, vous l'avez dit, il a théorisé. C'est-à-dire qu'il a exprimé une vision du monde, ce qu'était le paganisme, une vision du monde qui était donc en opposition quand il a écrit en 1980 le premier article qui était en opposition avec une vision chrétienne, c'est-à-dire en réalité vision chrétienne qu'il assimilait à une vision essentiellement duelle, c'est-à-dire et tandis que la sienne, en tout cas celle qu'il reconnaissait dans le paganisme, était plutôt plurielle. Si Alain de Benoît avait fait cet article-là, et puis rien d'autre, il ne se serait rien produit. Et ça, c'est la grande... C'est ce que je voulais faire paraître, ce que je voulais faire... c'est l'éclairage que je voulais donner. C'est qu'en réalité, il n'était pas seul. S'il avait été seul,
Ça fait bien longtemps qu'on n'aurait plus parlé. Vous le dites dans votre éditorial, vous indiquez que ce hors-série est le reflet que la démarche, de Alain de Benoist serait sans doute restée lettre morte, on peut dire cela, s'il n'avait pas été entouré de ce que vous appelez d'ailleurs d'un joli mot, un compagnonnage, d'une extraordinaire pluralité de sensibilités. Et vous avez cité Janco, d'ailleurs vous faites la préface de deux ouvrages importants de Janco, Contre-attaque suivi du discours de la décadence, qui est un nouvel ouvrage à la Nouvelle Librairie, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Ça aussi c'est important de rendre hommage à Janco, il est peut-être alors celui qui a été le précurseur. Ah ben il a été, sur ces questions-là, il a été précurseur. Et ce qui est intéressant avec Janco, c'est qu'il a été, pour Alain de Benoist, pour Élément, à cette période-là, un aiguillon, un électron libre. Janco, pour le présenter, est l'ancien secrétaire de Sartre, qui a rompu d'une manière assez fracassante avec la gauche des années 50 pour être libre. Il a connu une carrière de grand journaliste, notamment à Paris Match, où il a pendant 30 ans régalé les millions de lecteurs de Paris Match. On lui doit le poids des mots, le choc des photos. C'était le bon temps. Il pouvait à la fois faire un portrait magnifique de Giroud, puis le lendemain, enfin la semaine suivante, interviewer Mireille Darc quand elle a eu ses problèmes de cœur, il commence un article qui est absolument génial. Il écoute le cœur de Mireille Darc parce qu'elle vient de se faire poser un pacemaker et en fait le début de l'article c'est les battements du cœur artificiel de Mireille Darc, c'est une musique, voilà. Janco était très sensible à la musique, à la beauté et c'est par ce lien là non pas intellectuel mais par ce lien là qu'il va au paganisme et donc on voit que c'est complémentaire par rapport à une position d'Alain de Benoist. De même qu'est complémentaire quelqu'un que vous connaissez ici, Christopher Gérard. Christopher Gérard n'a pas du tout la même filiation que Alain de Benoist. Lui aussi est romancier, lui aussi a une âme à la fois de poète et d'archéologue. Il est plus intéressé par l'Antiquité grecque et romaine. Et donc, on voit bien qu'il y a des sensibilités totalement différentes, surtout si on la compare à Jean Mabir qui a beaucoup travaillé sur la Scandinavie et les dieux du Nord. Voilà. Ce hors-série, c'est la pluralité des sensibilités, vous l'avez rappelé, et on l'observe bien évidemment à travers ce numéro que vous avez voulu mettre en exergue cet élément. Oui. Autre élément, j'ai l'impression quand même que vous essayez de mettre en avant, c'est des réponses concrètes et précises à des attaques, disons, récurrentes, des plus profondes aux plus polémiques et peut-être les plus superflues ou superfétatoires. Mais passons-les, si vous voulez, rapidement en revue. La question, par exemple, est de savoir si l'on peut redonner vie à d'anciens cultes sans verser dans le simulacre ou la parodie. Ce ne sont pas mes termes, ce sont ceux d'Alain de Benoist. Donc, je vous les resserre. Oui, je vais vous en resservir d'autres. Les dieux à venir ne sont pas encore nés. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est cette question à la fois religieuse, qui énerve Élément depuis 50 ans. Beaucoup d'auteurs se la posent. Les reconstructions postmodernes qui tiennent de la secte sont assez unanimement rejetées, non pas seulement par Alain de Benoist, mais aussi par Jean-François Gaultier, mais aussi par
Christopher Gérard, qui lui est horrifié dans son article, il est horrifié par la musique hard rock. Pour lui, le paganisme, c'est le soleil, la Méditerranée, c'est l'harmonie, c'est quelque chose, c'est la discrétion, c'est une offrande, c'est un salut, le salut au soleil, mais c'est quelque chose d'assez discret. Et donc il n'est pas dans l'ensemble des auteurs, me semble-t-il, ne sont pas dans l'affichage, dans la démonstration. Il y a Jean Mabir, qui pourrait être celui qui est peut-être le plus démonstratif, indique bien que son rapport au dieu du Nord, c'est une inspiration, c'est quelque chose qui, il en retire de la force et de l'inspiration. Est-ce que si l'on évite le pastiche, on évite aussi l'élitisme, c'est-à-dire une démarche trop intellectuelle? Vous avez essayé de me dire que ce n'était pas le cas, néanmoins ça apparaît comme cela, et comme la revue Éléments apparaît comme une revue élitiste, le terme n'est d'ailleurs pas injurieux. Hein. Non, il n'est pas injurieux, il faut... À une époque où tout le monde condamne l'élitisme, là, parler de la littérature, au XIXe siècle, et par exemple sur ce beau courant de la littérature française de la fin du XIXe, sur les écrivains français qui ont été touchés par le paganisme. Est-ce que c'est élitiste? Oui, certainement. On ne peut pas. Je ne vais pas ici renier ce qu'est Éléments. On travaille sur les idées, sur les mouvements littéraires. On travaille sur l'art, on travaille sur la poésie, on travaille sur la philosophie, l'histoire. Et donc, si c'est être élitiste, nous le sommes, oui, bien sûr. Élitiste et passéiste. Ça, Alain de Benoît le dit. Et il le dit clairement, il dit qu'il ne faut pas appeler un passé contre un autre passé. Oui, tout à fait. Il a même une... Alors, on le voit, il n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que, et on voit la différence entre l'article qu'on publie, qui date de 1980, et l'article qu'il publie en 2015, il y a un cheminement. L'article qu'il publie au début des années 80, il est très marqué par un nietzschéisme un peu juvénile. Puisque de mémoire, il doit dire « la plus grande catastrophe qui est jamais arrivée en Europe, c'est l'introduction... » l'introduction du christianisme. En 2015, le même homme, discourant avec Rémi Brague, s'interroge en disant « Je vois bien que le christianisme est en train de mourir, mais ce qui me fait peur, c'est par quoi ça va être remplacé. » Et donc, il y a une... Est-ce qu'on peut parler de prise de conscience ? Simplement. Parce que j'attire votre attention, c'est à deux pages de différence. Ouais. Vous dites quoi? Vous dites, si je retrouve exactement le texte, la maturité aidant, oui, l'âge avançant, l'anticristianisme et l'anticatholicisme, inspirés par le rationalisme et le scientisme des premiers numéros d'Éléments, a laissé place à un polythéisme apaisé et ouvert, post-chrétien, en somme. Je tourne la page. 1980, pour quelqu'un qui, comme moi, considère que la christianisation de l'Europe, l'intégration du christianisme au système mental européen, fut l'événement le plus désastreux de toute l'histoire advenue à ce jour, la catastrophe au sens propre du terme. On est à une page. Tout à fait. De différence. Mais c'est la page de différence, c'est que la première page, celle que je signe, est une présentation du dossier, d'une présentation de ce hors-série. Ce hors-série s'étale sur 50 ans. Expliquez-moi, c'est une évolution? Non, c'est que en 80, vous avez Alain de Benoît parle en doctrinaire, doctrine contre doctrine. La doctrine de l'Église n'est pas compatible avec
avec le paganisme. Voilà ce qu'il marqué par le nietzschéisme. Voilà ce qu'il exprime. En 2015, face à Rémi Brague, le monde a évolué et donc il constate le vide spirituel. Il en prend acte, mais tout le monde, enfin, je veux dire, ce hors-série, il est aussi fait pour, c'est bien prétentieux, je l'accorde, combler ce vide spirituel. Il y a un vide spirituel, donc ce hors-série est là pour donner des cartouches pour combler ce vide spirituel. La maturité aidant. Je reviens, il y a une évolution. Oui. Une évolution peut-être parce que Dieu existe, peut-être parce que le catholicisme s'est effondré entre-temps. Je n'ai pas la solution, je n'ai pas l'explication, c'est vous qui l'avez, ça. Tout à fait. La maturité aidant, c'est le compagnonnage avec des écrivains comme Henri Vincenot, avec ce qu'on a pu appeler, ce qu'on peut appeler le pagano-christianisme. Vous noterez que les païens sont toujours très sensibles aux manifestations populaires du christianisme, aux dévotions, à tout ce que le christianisme moderne haït en réalité. Et donc, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens de la phrase le catholicisme est le conservatoire du paganisme, qu'il y a cette évolution. C'est-à-dire que c'est en réalité dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette évolution. Quelqu'un comme Henri Vincenot l'a lui-même vraiment très bien compris. Le catholicisme comme conservatoire du paganisme. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient chrétien païen, non. Parce que théologiquement, ça n'a pas de sens en réalité. C'est là où on est plus dans l'ordre du sensible. C'est là où nous apporte une certaine sensibilité littéraire, comme Christian Laborde, des auteurs qui ont collaboré. On est là dans quelque chose d'un paganisme qui serait plus populaire et dont on garderait encore les traces, dont on peut voir encore les traces dans les Pyrénées, en Bretagne, lors des pardons, lors de... Dans Élément, il y a une rubrique qui est faite aujourd'hui par Bernard Rio, qui est un arpenteur, un marcheur, et qui s'appelle « Un païen dans l'Église ». Il fait un tour de France de toutes les églises pour trouver tout ce qui reste en fait de païens dans l'imagerie des églises. Et donc là il est à Auxerre, il est parti de Bretagne, donc il a fait au moins une cinquantaine d'églises. Donc non, c'est il y a toujours ce fil conducteur, mais on essaie on essaie de trouver ce qui nous reste encore de cette sensibilité païenne. Peut-être la sagesse païenne, tout simplement. Tout finalement. À fait, oui, exactement. Et ces sagesses païennes, quelles sont-elles et peuvent-elles créer la renaissance des dieux face à ce que vous appelez la crise des valeurs? Parce qu'on a le sentiment qu'au bout du compte, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul vainqueur, il porte un nom, c'est le nihilisme. Mmh, tout à fait. Le nihilisme, l'athéisme, le paganisme, n'a rien à voir avec l'athéisme et le nihilisme. Il faut, c'est tout le combat du réenchantement du monde. Nous, c'est ce sur quoi nous, depuis 50 ans,
avec l'aide de cinéastes, de romanciers, de poètes, comme je le disais, on essaie de bâtir cette alternative qui est une alternative en réalité contre l'assèchement du monde moderne, contre et c'est tout notre combat. Les noms qui apparaissent, bien évidemment, beaucoup sont venus à TV Liberté. Je pense au regretté Guillaume Fay ou bien évidemment Jean-François Gaultier. On a cité Alain de Benoist. Il faudrait citer aussi Michel Marmin, Pierre Vial, Jean Varenne, François Bousquet, qui vient souvent, vous le savez, faire le plus d'éléments comme émission ici sur TV Liberté. Jean Mabir, vous l'avez cité, Jean Audry. Et puis, vous avez donné les noms de Jean Co, du père de la Bibeau, de Vincenot. Ce compagnonnage-là, il vous domine, il vous suit, il vous précède. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des grands noms qui apparaissent? Il y a aussi la filiation. Et là, est-ce que ce courant de pensée, car c'est un courant de pensée, peut perdurer encore pendant 50 ans? Au moins. Je crois que ce courant de pensée... on peut le voir à poser des jalons depuis 50 ans. Les noms que vous avez cités, et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on dit une différence de sensibilité, c'est vraiment une très grande différence de sensibilité. Parce que ce soit Jean-François Gaultier ou Pierre Grépary, on était plus proche d'une sorte d'athéisme païen, plutôt que si on parlait là, si on parle de Pierre Vial, on est là en revanche dans un paganisme très enraciné, populaire. Les articles c'est lui qui a fait un entretien magnifique avec Henri Vincenot, et plusieurs articles que nous publions sur ce paganisme populaire, qui est curieusement, alors même que Pierre Vial est considéré comme le plus païen de, le plus païen de la bande, est très, parce qu'il est populaire, et emprunt aussi un petit peu de pagano-christianisme, puisqu'il est au cœur des villages, au cœur des paysans, donc c'est ce qui est intéressant. Ce foisonnement en réalité continue. On peut le voir sur ces questions-là. Quand on fait appel à... Vous n'avez pas cité Rémi Soulier ou Falk Weingever. Alors Rémi Soulier, je n'ai pas cité parce qu'il est maison maintenant, puisqu'il fait l'émission Les Idées à l'endroit, où il a remplacé Alain de Benoist, et il fait des émissions qui sont tout à fait remarquables d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que quand on l'a interrogé il y a plusieurs années, il y a peut-être une petite dizaine d'années, et que l'entretien, on le reproduit, on lui pose la question. En fait, c'est ces auteurs catholiques, la tentation païenne des auteurs, de certains auteurs catholiques. Et donc, il y en a deux, et il y a Rémi Soulier et Falk Weingever, qui sont deux écrivains merveilleux. Petit à petit... ont cette tentation, en tout cas viennent sur ces positions-là. Ce qui fait que quand vous dites est-ce qu'il y a un renouvellement, bien évidemment, ben il est là le renouvellement, il est chez Rémi Soulier, mais il est aussi chez bien d'autres qu'on a plus jeunes, qu'on peut retrouver ici. On retrouvera tout ça dans ce hors-série éléments avec une très belle couverture, mais la nudité sur YouTube est interdite. Vous voyez, il y a des pudeurs au milieu des caniveaux quelquefois. Mais on retrouvera, il suffit d'acheter en kiosque ou de le commander sur le site éléments, bien évidemment. Pour retrouver la statue, on peut aussi aller au Louvre, puisque c'est une statue qu'on peut retrouver au Louvre de Jouffroy du 19e. Donc c'est un merveilleux... photographe russe qui s'appelle Nikolai Yandogor, qui a déjà travaillé pour nous,
qui a fait toute une série comme ça, où il voulait redonner vie à la statuaire grecque, enfin la grecque et romaine. Et donc, il a passé un an au Louvre, et il a mis en scène, les statues, il les a fait, avec des modèles. On est là, au cœur de l'alliance entre, ça. On commence par de la beauté, on poursuit par de la doctrine avec Alain de Benoît, et puis après on va vers les écrivains, vers la poésie, vers le roman, et l'histoire. Tout cela dans ce numéro 1 du hors-série d'éléments. Merci à vous d'être venu, à très bientôt sur TV Liberté.